Lesquels
l'âge du tsunami du Congo. Vous savez, la chose la plus importante, c'est que quand vous maîtrisez quelque chose, on peut aller en votre langue, n'est-ce pas? D'où l'idée qu'on a conçue pour discuter, et que cette tradition, toutes ces 30 déclarations, que nous puissions les reproduire dans une des locales de langue nationale du Congo. Et ce qui est intéressant, toutes ces déclarations qui sont introduites, qui sont traduites dans les cadres de langue nationale du Congo, l'avantage qu'on pourrait avoir, vous pouvez apprendre l'anglais à partir de toutes ces déclarations des droits de l'homme. Vous pouvez apprendre à compter article 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et quelqu'un me dit, tiens, en Kikongo, en anglais, on dit one. En Kikongo, on dit yandete. En Lingala, on dit. Donc, c'est plus que nous allons produire un matériel didactique. Je pense que Papa Blanchard nous a tout expliqué. Et nous voulons soutenir le projet. Nous voulons marcher avec vous pour ce projet. Il est un support audiovisuel. Vous savez, à un moment, tu peux parler de tes droits, pas seulement en français, mais en français, dans une langue. Pour ça, vous voyez que ça, dans la police, nous avons un pays des droits. Un pays des droits. Même si c'est mal fait, mais c'est une invitation. Nous avons se présenter. Nous avons connu vraiment. Et non pas que vous avez un mignotte, tout cela, vous avez un peu de temps. Non. Je vois, nous sommes dans une autre institution. Tout se préparer. Pas assez matin, vous voyez. Pour cela, la intervention, la débat, en discussion avec nous. Et une signification à droit de l'homme, dignité à droit de l'homme, avantage à droit de l'homme, avantage à mon autre. Et si là pour défendre, si là pour défendre, je dois la petite parole à la petite parole à Christian, et à Zach et à Zach et à moi, pour ce qui est bon. Merci, je crois, parce que. Alors, il faut toujours.
vos salaires, la vie. Donc, c'est ça un peu l'objectif que vous-même, voyez par amour, ça c'est notre côté.
Nous avons pas que ça fait partie de la gloire.